c'est un peu comme un jeu de cache-cache entre ce perdreau placé dans une cage au milieu des ajoncs et ce setter anglais qui doit retrouver sa piste. Mais dans ce concours de chiens d'arrêt, les moindres faits et gestes du canidé sont scrutés à la loupe. Tout ici est une question de style et de discipline. Tant qu'il n'a pas reçu l'ordre de son conducteur, dans 200 mètres, il ne doit pas bouger. C'est la conclusion de l'action. Ce qu'on regarde, c'est le style d'arrêt, le comportement du chien, évidemment, le dressage qu'a effectué le conducteur, mais surtout l'attitude du chien. Il faut que le chien arrive, il se plaque comme ça, et une fois qu'il a les odeurs pleines de nez, il se bloque, il ne doit plus bouger. Une fois la prestation notée sur ordre du maître, le perdreau est libéré de sa cage, mais il n'est pas tué. C'est un tir de pistolet à blanc qui simule le coup de fusil. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir évoluer nos chiens, de voir comment se comporte le chien, le contact qu'il a avec vous. Alors, on chasse. Bien sûr, la chasse est importante. On tue du gibier, mais on ne fait plus de tableau, c'est fini, cette époque-là est révolue. Actuellement, ce qui est le plus important, ce qui compte le plus, c'est d'avoir un bel arrêt sur une bécasse, par exemple. Si on la manque, si on ne peut pas la tirer, ce n'est pas grave. Dans ce concours non officiel, des chiens amateurs côtoient de vrais compétiteurs. Itoys, un setter de 5 ans, semble être un bon représentant de sa race. Il a quelques tentatives, on ne réussit pas à chaque fois en compétition officielle. Mais voilà, il est trialeur. Des chiens trialeurs ont tout simplement déjà participé à des concours officiels et ont marqué des points, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont montré qu'ils savaient chasser le gibier qu'on leur demandait de trouver. Allez, Toys, on y va. Allez, viens. Ces concours permettent aussi de repérer les meilleurs candidats à la reproduction pour des chiens d'arrêt toujours plus compétitifs, plus performants, plus infatigables.